أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'évoquais le calife Othman radhiyallahu anhu dans mes précédents sermons. Quel était son statut et comment les compagnons le considéraient-ils tant au cours du vécu du saint prophète Mohammed bissas à lui et après le décès du saint prophète Mohammed bissas à lui. Il existe un récit à ce sujet. Nafi relate d'Ibn Umar qu'à l'époque du saint prophète Mohammed bissas à lui, nous avions l'habitude de considérer les uns comme meilleurs que les autres. Et nous pensions qu'Abu Bakr était le meilleur d'entre tous les compagnons. Ensuite venait Omar bin Khattab, ensuite Outhman bin Affan, radhiyallahu anhu. Ce récit est tiré d'Al-Bukhari. Selon un autre récit d'Al-Bukhari, Nafi relate d'Ibn Umar, qu'Allah soit content de lui. Il a déclaré que, au temps du saint prophète Mohammed, peace be upon him, nous ne considérions personne comme à l'égal d'Abu Bakr, personne comme à l'égal d'Omar et personne comme à l'égal d'Othman. Quant aux autres compagnons du saint prophète Mohammed, peace be upon him, on ne considérait aucun d'entre eux comme supérieurs les uns aux autres. Ensuite, il y a le récit de Muhammad bin Hanafiya, selon lequel Othman Aradutanhu était considéré comme l'un des meilleurs après le saint prophète Muhammad Pussos à lui. Muhammad bin Hanafiya déclare: j'ai demandé à Ali Aradutanhu, mon père, qui est le meilleur des compagnons après le saint prophète Mohammed bissas à lui. Ali a répondu Abu Bakr. Je lui ai demandé et qui après lui. Il a répondu Omar. Et tout craintif, j'ai demandé et après lui. Il a répondu Othman. Ensuite, j'ai demandé ô mon père, après eux, est-ce que vous êtes meilleur que les autres? Il a répondu, moi je suis un homme ordinaire parmi les musulmans. On peut saisir le statut d'Othman aux yeux du saint prophète Mohammed bissas à lui par le fait que le saint prophète Mohammed bissas à lui n'avait pas dirigé la prière funéraire d'une personne qui détestait Othman radhiyallahu. Voici les détails sur ce récit. Jabir raconte que la dépouille d'une personne a été présentée au saint prophète Mohammed bissas à lui afin qu'il puisse accomplir ses prières funéraires. Mais le saint prophète Mohammed bissas à lui a refusé de le faire. Quelqu'un a demandé au envoyé d'Allah, jamais vous avez omis d'accomplir la prière funéraire de quelqu'un dans le passé. Sur ce, le saint prophète bissas à lui a répondu, cette personne détestait Othman et Allah lui est également hostile.
Ensuite, il y a un récit sur le sens de justice d'Othman radiallahu anhu. On lui avait demandé de punir son frère quand il a été reconnu coupable. Ubaydullah bin Adi relate que Miswar bin Mahrama et Abdurrahman bin Aswad bin Abdiyarous m'ont tous deux dit « Pourquoi est-ce que vous nous interdisez de parler à Othman à propos de son frère Walid ?» Parce que les gens ont tellement dit à son propos, en raison de certains méfaits. Ubaydullah déclare « Je suis parti voir Othman, il était sorti pour la prière. Je lui ai dit « J'ai un travail pour vous ». Et ceci est pour votre bien. Othman radiallahu anhu m'a dit, bonhomme, est-ce Muammar qui t'a envoyé? Je pense que c'est lui qui t'a envoyé avec son message. Ensuite, Othman a déclaré, je cherche refuge auprès d'Allah contre vous. En entendant cela, Othman est parti. Ubaydullah bin Adi est retourné vers les autres. Par la suite, le messager d'Othman est venu vers lui et Ubaydullah déclare « Je suis parti à sa rencontre ». Othman m'a demandé « Que souhaites-tu de bon pour moi ?» Ubaydullah bin Adi a répondu « Allah a envoyé le saint prophète Mohammed avec la vérité. Et Allah lui a révélé le livre. Et vous, Othman, vous êtes l'une de ces personnes qui ont accepté le message d'Allah et son messager, et vous avez accompli deux migrations, et vous avez soutenu le saint prophète Mohammed, et vous avez témoigné du comportement du saint prophète Mohammed. Les gens racontent beaucoup de choses à propos de Walid, qui est votre frère. Othman m'a demandé, as-tu vécu au temps du saint prophète Mohammed? Obaidullah a répondu non. Mais j'ai su tout cela à votre propos. Je n'ai pas vécu en ces temps, mais j'ai entendu à propos de l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il s'agit des faits que même une femme vierge peut entendre derrière son voile. Othman l'a déclaré. Par la suite, certainement, Allah a envoyé le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avec la vérité. Et je suis de ceux qui ont accepté l'appel d'Allah et de son messager. Et j'ai cru en tout ce que le saint prophète, paix soit sur lui, est venu avec de la part de Dieu. J'ai accompli deux migrations, comme tu l'as dit, et je suis resté avec le messager d'Allah, paix soit sur lui, et je lui ai prêté allégeance. Par Allah, jamais je n'ai désobéi au saint prophète, paix soit sur lui, et jamais je ne l'ai trahi, jusqu'à ce qu'Allah lui donne la mort. Oui, j'ai obéi à Abu Bakr et j'ai aussi obéi à Omar de la même manière. Puis j'ai été élu calife. Eh bien, n'ai-je pas le même droit que les deux premiers califes? Ubaydullah a répondu, pourquoi pas? Othman a ajouté, alors pourquoi est-ce que vous me tourmentez de temps à autre? En ce qui concerne Walid, eh bien, nous allons certainement le punir en conséquence, Inch'Allah. C'est-à-dire, il sera puni en accord au mal qu'il avait commis. Ensuite, il a fait venir Ali et il lui a demandé de le fouetter. Celui-ci l'a fouetté 80 fois. Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib a commenté sur ce hadith de Bukhari dans son exégèse. Walid bin Urba a été condamné en raison de sa consommation de l'alcool. Selon les témoignages, il avait consommé du vin de temps de la Jahiliya et pas du jus de raisin ou de date. Mais le calife Othman n'a pas pris en compte ses liens de parenté avec Walid. Au contraire, il lui a infligé double châtiment en raison de ses liens de parenté. Il l'a fait fouetter 80 fois au lieu de 40, nombre qui est en accord à la pratique d'Omar radiallahu anhu. Selon un récit, Atta bin Yazid déclare que Hamran, qui était l'esclave affranchi d'Othman, lui a dit «
qu'il avait vu Outhman bin Affan demander une vase d'eau et verser de l'eau sur ses deux mains trois fois. Puis il a mis sa main droite dans le récipient et il s'est rincé la bouche et il a nettoyé ses narines. Ensuite, il s'est lavé le visage et les deux mains jusqu'au coude trois fois. Ensuite, il s'est essuyé la tête avec de l'eau. Puis il a lavé ses deux pieds jusqu'aux chevilles trois fois. Ensuite, il a déclaré. Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui a déclaré que celui qui a effectué ses ablutions comme je l'ai fait et ensuite accompli deux rakats de prière sans parler de son âme, eh bien, il aura tous ses péchés antérieurs pardonnés. C'était à l'époque de Outhman qu'a débuté la pratique d'un deuxième appel à la prière lors de la prière de Juma ou de la prière du vendredi. Il s'agit à présent du premier appel lancé. Zohri relate sur l'autorité de Saïb bin Yazid qu'au temps du Saint-Prophète Mohammed, que ce soit lui, au temps d'Abu Bakr et de Omar, le premier appel à la prière lors de l'office de la prière du vendredi était lancé lorsque l'imam se plaçait sur la chaire. À l'époque du calife Outhman, quand le nombre de fidèles a augmenté, eh bien, on a commencé à lancer un troisième appel à la prière à Zohra. Abu Abdullah explique que Zohra est un lieu dans le marché de Médine. Selon la fiqh Ahmadiyya, la jurisprudence Ahmadiyya, en référence au hadith, à l'époque du saint prophète Mohammed, peace be upon him, d'Abu Bakr et d'Umar, ont lancé un seul appel à la prière lors de l'office de la prière du vendredi, et ce, tout près de la chaire qui était certainement à l'intérieur de la mosquée. Plus tard, à l'époque d'Othman, la pratique du deuxième appel était en vogue. Cet appel était lancé par le muezzin debout sur une pierre posée à la porte de la mosquée, dont le nom était Zohra. Naimut al-Bari, l'exégèse du Sahih al-Bukhari, a commenté sur ce hadith. Ibn Hisham Zohri relate sur l'autorité de Saïb que le troisième appel qui a été mentionné ici dans ces récits concerne en fait l'Ikrama. Il y avait ces deux appels dans un premier temps, puis un troisième appel a été lancé. Dans le premier récit que j'ai lu, il est dit que lorsque le nombre de fidèles a augmenté, ils ont lancé le troisième appel à la prière à Zohra. Le troisième appel à la prière est en fait le takbir ou l'ikama, qui est également nommé Adhan dans ces récits. C'est ainsi qu'on invitait les fidèles à trois reprises pour les prières. Il existe également un autre récit sur le non-accomplissement des prières du vendredi le jour de l'Aïd. Abu Ubaid, l'esclave affranchi d'Ibn Asar, relate qu'il avait offert des prières de l'Aïd le jour de l'Eid al-Adha en suivant l'exemple d'Omar. Celui-ci a dirigé la prière avant le sermon et il s'est adressé aux fidèles en disant « Ô gens, assurément, le saint prophète, paix soit lui, vous a interdit de jeûner pendant ces deux jours de l'Aïd. La première Aïd est celle pour célébrer la fin des jours du jeûne et le deuxième jour est lorsque vous consommez la viande de vos animaux sacrifiés. » Abu Ubaid déclare qu'il a accompli la prière de l'Aïd à l'époque d'Othman. L'Aïd est tombé un vendredi et le calife a dirigé la prière avant le sermon, ensuite il s'est adressé aux fidèles et il a déclaré aux gens en ce jour « Deux Eid se sont réunis pour vous, ceux vivant dans les alentours de Médine et qui veulent accomplir la prière du vendredi peuvent attendre et quiconque veut rentrer est autorisé de ma part de rentrer. » Je n'ai pas encore trouvé des preuves claires à propos de ce qui suit dans la jurisprudence de la communauté Ahmadiyya. Il est dit dans un récit que si la prière du vendredi et la prière de l'Aïd tombent le même jour,
on n'aura pas à offrir la prière de Jumma ou la prière de Zohr après les prières de l'Aïd. On n'aura qu'à accomplir les prières d'Asr qui seront offertes à l'heure prévue. Atta bin Rabah relate qu'une fois les prières de Jumma et de l'Aïd sont tombées le même jour. Abdullah bin Zubar a déclaré que deux Aïd ont été rassemblés en une journée et ces prières seront accomplies ensemble. Il a accompli deux rakats de prières avant midi et après cela, il n'accomplit aucune prière avant la prière d'Asr. Autrement dit, seules les prières d'Asr ont été offertes ce jour-là. Ceci exige des recherches supplémentaires. Feu le quatrième calife avait également exigé qu'on fasse des recherches à ce propos. Au début, je pensais que ce n'était pas nécessaire. Or, il n'existe pas d'autres récits du saint prophète Mohammed, puisse soit lui, prouvant qu'il avait omis d'offrir la prière de Zuhr. Il n'existe qu'un seul récit qui nous vient d'Abdullah bin Zubair. Il existe donc uniquement ce récit d'Abdullah bin Zubair sur l'omission de la prière de Zohr. En tout cas, plus de recherches sont nécessaires à ce sujet. On est en train de réviser la fiqh Ahmadiyya et je pense que nous devrons examiner plus attentivement cette question, à savoir dans quelle mesure est-il correct de ne pas accomplir la prière de Zohr. On peut ne pas accomplir la prière de Jumma, or, il n'existe qu'un seul récit affirmant qu'il n'était pas nécessaire d'accomplir la prière de Zohr. Mais il n'existe aucun récit venant directement du saint prophète Mohammed, peace be upon him, ou de ses califes bien guidés en ce propos à la lumière des recherches que j'ai demandé d'effectuer. Il existe aussi des récits sur le bain rituel le vendredi. Abu Huraira relate, Omar bin Khattab a prononcé son sermon du vendredi. Lorsque Outhman bin Affan est entré dans la mosquée, Omar a remarqué à son sujet indirectement, certains arrivent en retard même après l'appel à la prière. Sur ce, Outhman a déclaré, « Ô émir des croyants, j'ai effectué des ablutions après avoir entendu l'appel à la prière. » Omar a demandé, « Uniquement les ablutions, n'avez-vous pas entendu que le saint prophète Mohammed peace be upon him déclarait que lorsque l'un d'entre vous vient pour la prière du Jumma, eh bien, il doit prendre un bain complet. Il est important de prendre un bain complet si l'eau est disponible ainsi que si les aménités sont disponibles. Il existe très peu de hadiths marfous relatés par Othman Aradotanho dans les recueils de hadiths comparés aux autres compagnons. Le nombre total de ces récits est de 146, dont 3 qui sont Muttafiq alayhi. C'est-à-dire, ces hadiths se trouvent à la fois dans le Sahih al-Bukhari et dans le Sahih muslim. Il y a 8 récits qui sont mentionnés dans Bukhari et 5 dans muslim. Ainsi, il y a un total de 16 hadiths mentionnés dans les deux Sahih. La raison de la rareté de ces hadiths est que Othman radhiyallahu était extrêmement prudent dans les récits de ces hadiths. Il avait l'habitude de dire que ce qui m'empêche de relater les hadiths du saint prophète Mohammed peace be upon him est que ma mémoire n'est pas aussi bonne que celle des autres compagnons. Il explique qu'il ne relate pas des hadiths de peur que sa mémoire ne soit pas aussi bonne que celle des autres compagnons et que ses paroles ne soient pas exactes. Mais Othman ajoute que « Je témoigne que j'ai entendu le saint prophète Mohammed peace be upon him déclarer que quiconque m'attribue ce que je n'ai pas déclaré aura l'enfer pour demeure. » Ainsi donc, c'est pour cette raison que Othman était très prudent dans la narration des hadiths. Abdurrahman bin Hatib relate ceci, « Je n'ai jamais vu aucun autre compagnon qui parlait de manière plus complète que Othman radhiyallahu anhu. » Mais il avait peur de relater les hadiths. Umran bin Abban relate quant à lui, une fois Outhman bin Affan a demandé de l'eau pour ses ablutions. Il s'est rincé la bouche, il a nettoyé ses narines et il s'est lavé le visage 3 fois et il s'est lavé les bras 3 fois et il a passé de l'eau sur la tête et la partie supérieure de ses bras. Ensuite, il a ri.
il a dit à ses compagnons, « Est-ce que vous n'allez pas me demander pourquoi je ris ?» Les autres ont demandé au émir des croyants, « Pourquoi avez-vous ri ?» Il a déclaré, « J'ai vu le saint prophète Mohammed, qu'il soit lui, demandant de l'eau dans cet endroit. » Puis il a effectué ses ablutions de la même manière. Ensuite, il a ri. Ensuite, il a dit à ses compagnons. Le saint prophète a dit à ses compagnons, « Est-ce que vous n'allez pas me demander pourquoi j'ai ri ?» On lui a demandé, « Ô messager d'Allah, pourquoi avez-vous ri ?» Le saint prophète, qu'il soit lui, a déclaré que quand une personne demande de l'eau pour ses ablutions, se lave le visage. Eh bien, Allah pardonne tous les péchés qui sont sur son visage. De même, lorsqu'il se lave les bras, Allah lui pardonne les péchés commis par ses bras. Ensuite, lorsqu'il s'essuie la tête et lorsqu'il se nettoie les pieds, la même chose se produit. Ce récit aurait dû être mentionné avec le premier récit sur l'ablution. En tout cas, j'en ai fait mention ici. Voici les récits sur les mariages et les enfants du calife Othman, radhiyallahu ta'ala anhu. Il avait en tout 8 épouses. Tous ces mariages ont eu lieu après sa conversion à l'islam. Les noms de ses épouses et de ses enfants sont les suivants. Il y avait Ruqayya, la fille du saint prophète Mohammed bin Affan, qui a donné naissance à son fils Abdullah bin Othman. Othman a aussi épousé Umm Kulthum, la fille du saint prophète Mohammed bin Affan, après la mort de Ruqayya. Il avait épousé Fakhta bint Razwan, qui était la sœur de Utba bin Razwan. De cette union est né un fils qui s'appelait Abdullah. Et on disait de lui qu'il était Abdullah al-Asghar. Ensuite, il s'était marié à Umm Amr bint Jundub Asadiyya, qui a donné naissance à Amr Khalid, Abban, Omar et Maryam. Il avait aussi épousé Fatima bint Walid Mahzoumiya, qui a donné naissance à Walid, Saïd et Umm Saïd. Outhman bin Affan s'était aussi marié à Umm Banin bin Oyayna bint Hisn Hazariya. Et de ce mariage est né son fils Abdul-Mulk. Outhman bin Affan s'était aussi marié à Ramla bint Shayba bin Rabia. Elle a donné naissance à Aïcha, Umm Abban et Umm Amr. Il s'était aussi marié à Naila bint Farafisa bint Ahfas. Elle était chrétienne, mais s'était convertie à l'islam avant son mariage. Et elle s'est avérée être une très bonne musulmane. Elle a donné naissance à sa fille Maryam. On dit qu'un fils nommé Ambassa est également né de ce mariage. Selon un récit, lorsque Othman est tombé à martyr, les 4 épouses suivantes étaient avec lui. Il y avait Ramla, Naila, Umm Banin et Fakhta. Selon un autre récit, pendant les jours du siège, Othman s'était divorcé d'Umm Al-Banin. Le premier calife de la communauté Ahmadiyya explique ceci dans son commentaire de la sourate Nour. Il dit, Allah déclare, « Il existe une lumière du savoir qui fait la distinction entre le bien et le mal. Cette lumière se trouve dans ces maisons dans lesquelles Allah est mentionné matin et soir. Les gens qui y vivent sont des commerçants, leurs maisons sont petites, mais un jour Allah agrandira leur demeure. » Le compilateur de ce Coran est Abu Bakr as-Siddiq. Ensuite, Omar et Othman étaient de ceux qui l'ont publié. Ensuite, à travers Ali, Dieu a transmis au monde la vraie connaissance spirituelle. Le premier calife déclare, « J'ai moi-même appris certains faits sur le Saint-Coran directement de Ali. » Allah a également dit dans ses versets de ses rukous du Saint-Coran qu'il n'y aura pas de calife parmi les Ansar, mais de parmi les Muhajirin. Et il a déclaré que les musulmans ainsi que les infidèles s'opposeraient au calife. C'est ainsi qu'on s'était opposé à Abu Bakr. Certaines personnes ne croyaient pas dans le califat. Allah a donné l'exemple de ces deux groupes. Il y a ceux qui considèrent les vapeurs d'un mirage comme de l'eau, et l'autre, celui qui le combattra même dans la mer de la charia. Ensuite, il déclare que
le résultat de leurs œuvres est que les oiseaux consommeront leur chair. Parmi les califes bien guidés, Abu Bakr a fait face à de grandes difficultés. D'une part, l'armée a été envoyée avec Oussama et d'autre part, la révolte s'est répandue en Arabie. Le peuple de la Mecque était prêt à se révolter. Là-bas, un sage leur a dit « Vous étiez les derniers à croire et vous êtes maintenant les premiers à apostasier. » Cela les a ramenés à la raison. Ensuite, le premier calife déclare « Le groupe mentionné dans « Iza Farikum Minhum Mu'ridun » n'a jamais été victorieux et n'a jamais joui de l'aide de Dieu, ni à l'époque d'Abu Bakr, à l'époque de Omar, à l'époque de Othman ou de Ali. Ce groupe n'a jamais eu de succès. Mais l'autre camp qui déclare « Samirna wa ta'na, nous avons entendu et nous avons obéi » a toujours triomphé. Par conséquent, le Saint-Coran a déclaré « Voilà ceux qui auront le salut ». Le Messie premier Islam explique « Personne ne pourra mériter le titre de véritable musulman et de croyant sans posséder les qualités d'Abu Bakr, d'Omar, d'Othman et d'Ali. Ces hommes n'étaient pas épris de ce monde, mais avaient consacré leur vie à Dieu. » Ensuite, il déclare « Le grand Siddiq, radhiyallahu anhu, Omar al-Farouk, radhiyallahu anhu, Dhun Nurayn, c'est-à-dire le calife Othman, radhiyallahu anhu, et Ali al-Murtada, étaient tous sans nul doute les garants de la religion. » Le Messie premier d'Islam déclare « Abu Bakr était le deuxième Adam au sein de l'Islam. » De même, si Omar al-Farouk et si Othman n'étaient pas les véritables garants de la religion, il aurait été difficile pour nous d'affirmer qu'un seul verset du Saint-Coran vient de la part de Dieu. Ensuite, le Messie premier d'Islam explique « Par Dieu, Allah a fait de ses deux chers, à savoir Abu Bakr et Omar, et le troisième qui est le Dhun Nurayn, les portes de l'Islam et l'avant-garde de l'armée du Saint-Prophète Mohammed bissos à lui. » Ainsi donc, quiconque nie leur grandeur, quiconque méprise leur argument définitif et quiconque ne les respecte pas, mais qui les insulte et les calomnie, eh bien, je crains que celui-là aura une mauvaise fin et je crains aussi la perte de sa foi. Ceux qui ont nui à ces califs, ceux qui les ont maudits, ceux qui les ont calomniés, eh bien, ceux-là se sont endurcis leur cœur et ils se sont attirés la colère du Dieu qui est très miséricordieux. J'en ai fait l'expérience à maintes reprises. Et j'ai ouvertement déclaré que la haine et le ressentiment à l'égard de ces nobles personnages est le plus grand moyen de couper sa relation avec le Dieu miséricordieux. Quiconque haït ces saints personnages se ferme toutes les voies de la miséricorde divine et de la compassion de Dieu. Les portes du savoir et de la gnose ne lui seront pas ouvertes, et Allah le laissera s'empêtrer dans les plaisirs et les convoitises de ce monde et le laissera tomber dans les fosses des désirs charnels. Allah éloignera pareille personne de son seuil et le privera de sa proximité. Ensuite, le Messie premier l'Islam explique « Après le saint prophète Mohammed bissos à lui, tout ce que l'Islam a acquis fut par l'entremise de ses trois compagnons, à savoir Abu Bakr, Omar et Othman. » S'adressant ensuite aux chiites, le Messie premier l'Islam déclare « Comment répondre à vos infâmes insultes? Vous insultez tous les compagnons, sauf quelques-uns. D'ailleurs, vous maudissez les mères des croyants, les épouses bénies du Saint-Prophète Mohammed bissos à lui. De plus, vous croyez qu'ils ont ajouté ou enlevé des parties du Saint-Coran et qu'il s'agit de l'écrit d'Othman et non de Dieu. Vous considérez l'islam comme un champ abandonné, un champ dont la terre est aride et sans verdure, c'est-à-dire une terre qui est dénuée des élus de Dieu. »
Ensuite, le Messie Prophète Salam déclare : quel honneur réservez-vous à l'islam, ô vous les transgresseurs ? Le Messie Prophète Salam déclare : mon Seigneur m'a accordé une connaissance profonde sur le califat. Et comme tout érudit, j'ai également pu approfondir cette question. Et mon Seigneur m'a révélé que le Siddiq, c'est-à-dire Abu Bakr, Farouk, Omar, Othman, qu'Allah soit satisfait d'eux, étaient des pieux croyants. Ils étaient parmi les élus d'Allah, ceux qui l'avaient choisi et ceux qui l'avaient favorisé. De plus, de nombreux sages ont témoigné de leurs vertus. Ils ont abandonné leur terre pour le plaisir de leur Seigneur. Ils sont entrés dans la fournaise de chaque bataille et ils ne se souciaient ni de la chaleur torride de midi, ni du froid de la nuit au cours de l'hiver. Au contraire, ils ont marché sur les chemins de leur foi comme des jeunes hommes braves et ils ne se sont ni inclinés devant leur propre peuple ni devant les autres. Et ils ont souhaité adieu à toute chose pour la cause du Seigneur des mondes. Leurs actions étaient imprégnées d'un doux parfum et leurs actions d'un arôme. Tout cela indique les jardins de leur rang et les vergers de leurs bonnes œuvres. De même, les brises aromatiques de leur vent doux et odorant révèlent leur subtile qualité et leur lumière se manifeste à nous dans tout son éclat. Ainsi, vous devez déterminer leur rang illustre à travers l'arôme de leurs œuvres et ne pas faire preuve de hâte à leur égard et ne pas suivre ceux qui doutent de leur personne. Ne vous fiez pas uniquement à certains récits, car certains de ces récits sont emplis de poison et d'exagération et on ne peut pas faire confiance à ces récits. Beaucoup de ces récits sont comme une tempête puissante et destructrice et comme la foudre qui trompe quelqu'un en pensant qu'il va pleuvoir. Ainsi donc, craignez Allah et ne suivez pas de tels récits. Ceci conclut les récits sur la vie d'Othman radhiyallahu anhu. Et Inch'Allah, je vais entamer les récits sur la vie de Omar. J'ai quelques annonces à faire. Tout d'abord, l'équipe de l'Islam a préparé la première version d'un nouveau site web de recherche sur le Saint-Coran. Ce site web se nomme holyquran.io. Ce site web est accessible séparément du site Al-Islam. On peut rechercher n'importe quel chapitre, quel verset, quel mot, en arabe, en anglaise, en langue ourdou, grâce à un moteur de recherche dernier cri. Les résultats de la recherche peuvent être consultés à travers des traductions Ahmadi et non Ahmadi. Et sous chaque verset, on peut lire son commentaire, ses articles et divers autres versets en relation avec ce verset. D'autres travaux sont en cours et la prochaine version sera prête lors de la Jalsa Salana du Royaume-Uni de 2021, Inch'Allah. En sus de cela, une version moderne du site readquran.apt sur le site l'Islam a été préparé grâce à laquelle on pourra lire, écouter et faire des recherches sur le Saint-Coran. Outre le commentaire en anglais, il y a aussi des notes du tafsir Sarir, une traduction littérale du Saint-Coran en anglais et un index sur les sujets du Coran. Ce site inclut d'autres fonctionnalités qui seront bénéfiques pour la récitation quotidienne du Saint-Coran. Qu'à la fasse que ce projet puisse répandre les beaux enseignements du Saint-Coran dans le monde et que les membres de la Jamaat en tirent profit. Je voudrais également vous demander de prier pour les Ahmadis du Pakistan, qu'Allah améliore leurs conditions et qu'Allah leur facilite la vie. De même, qu'Allah accorde fermeté et constance aux Ahmadis de l'Algérie et qu'il améliore leurs conditions, les conditions qu'ils doivent endurer et qu'ils changent leur situation. Je vais mentionner des détails sur certaines personnes décédées récemment et je vais offrir leur prière funéraire en absence de leur dépouille. Je reçois de nombreuses demandes et il est difficile de présenter les détails de chaque défunt ici. Cependant, j'en mentionnerai quelques-uns ici, mais j'ai inclus le reste des prières funéraires sans mentionner les noms des défunts.
qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à toutes ces personnes décédées. Je présente ici-bas les détails sur les personnes décédées. Parmi eux se trouvait le respecté Mohamed Sadiq Saheb d'Ulgaram Puri. Mohamed Sadiq Saheb Durgaram Puri de Dhaka, du Bangladesh. Il est décédé le 14 novembre 2020 à l'âge de 75 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En sus de ses divers services, il a aussi servi pendant une longue période en tant que secrétaire national au Waqf-e Nou. Il se rendait dans les jamaat lointaines pour organiser des cours avec les Waqifine Nou et leurs parents. Et tant que sa santé le lui permettait, il fréquentait régulièrement la mosquée. Il était Mossi et il laisse derrière lui son épouse, trois fils et une fille. La prochaine défunte se nomme Mokhtara Bibi Sahiba, épouse de Jashid Ahmad Athol Saheb de Darul Yamam. Arabwa, elle était la belle-mère de Naïb Abadjoua Saheb, qui sert comme directeur de la Jamiat al-Mubashirin du Burkina Faso. Elle est décédée le 16 janvier dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle a servi au sein de la Majlisi Amla de la Lajna de la Darul Yaman Gharbi pendant 17 ans. Elle a eu l'occasion de consentir à de grands sacrifices pour divers projets dans différents pays et elle a sacrifié des centaines de milliers de roupies. Quelques heures avant sa disparition, lorsqu'elle a pris conscience, elle a demandé d'apporter ses bracelets et elle a demandé à son fils de vendre ses bracelets qui étaient d'une valeur de 350 000 roupies et d'offrir cette somme à Sadr Saheb pour qu'il puisse installer une antenne parabolique de la MTA. Deux de ses fils étaient décédés en 1995 suite à un accident de voiture en Allemagne. Et la défunte a enduré cette perte avec une grande constance. Elle ne parlait jamais de cet incident, elle ne s'était jamais plainte, et elle était satisfaite de la volonté de Dieu. Et elle a fait preuve d'une grande patience. Elle avait une grande passion et un grand désir pour la prédication, et elle voyageait beaucoup dans les environs de Rabwa pour prêcher le message de l'Ahmadiyya. Elle avait une grande passion pour le Saint-Coran. En sus de réciter régulièrement le Saint-Coran, elle enseignait également le Saint-Coran et la Yassan al-Quran aux enfants du quartier. Elle était Moussia et elle laisse derrière elle son mari, un fils et quatre filles. Trois de ses filles résident à Londres. Une de ses filles est au Burkina Faso. Ces filles qui sont ici sont en train de servir la Jamaat. Qu'Allah lui accorde son pardon. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Mansour Ahmad Shad, qui est décédé le 17 janvier dernier à l'âge de 82 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son père avait embrassé l'Ahmadiyya en 1903, lorsque le Messie premier l'Islam s'était rendu à Jhelum pour le procès de Karamdin. Shad Saheb, quant à lui, avait déménagé à Karachi en 1956, où il a servi en tant que caïd du district de Karachi et il a effectué un travail exceptionnel sous l'égide de la Khuddamul Ahmadiyya. Ensuite, il a servi en tant que président local de Dirigrod Colony. Il a servi comme Naïb Amir de Karachi. En 1984, il faisait partie du groupe qui avait accueilli le quatrième calife à Sakhar. Et il était resté avec le quatrième calife jusqu'à son départ à l'aéroport. Il avait déménagé à Londres en 2010. Il faisait du bénévolat au dispensaire homéopathique de Baitul Futuh. Au moment de sa disparition, il servait comme secrétaire tarbiyat et secrétaire tarbiyat pour les nouveaux convertis de la Jamaat de Norbury. Il était moussi par la grâce de Dieu. Trois de ses petits-fils sont missionnaires et ils servent ici au Royaume-Uni. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Ensuite, je vais diriger les prières funéraires de Mme Hamida Akhtar Sahiba,
épouse d'Abdurrahman Salim des États-Unis. Elle est décédée le 19 janvier dernier à l'âge de 92 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte a servi pendant environ 50 ans au sein de la Lajna Imaïla de Karachi et de Rawalpindi. Elle a servi en tant que secrétaire générale, en tant que Sadr Lajna et en tant que Nigran Qiyadat. Elle avait un amour profond pour le califat et elle conseille également à ses enfants d'établir une relation sincère avec le califat. Elle a toujours prié régulièrement, elle accomplissait régulièrement la prière de Tahajjud tout au long de sa vie. Elle accordait une attention particulière à la récitation du Saint-Coran et à son enseignement. Et elle avait également enseigné le Saint-Coran à ses enfants et ses petits-enfants. La défunte avait aussi accompli l'Umrah. Elle était Moussia par la grâce de Dieu. Et elle laisse derrière elle 5 fils et 2 filles. Beaucoup parmi ses enfants sont au service de la foi et servent la communauté en différentes capacités. Parmi eux se trouvent le docteur Abdussalam et le docteur Khalik Malik Saib qui rendent de grands services à la communauté. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte. Le prochain défunt se nomme Nasser Peter Lutzin, qui est un Ahmadi allemand. Il est décédé le 20 février dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sa fille écrit à son sujet. Un jour, en 1983, mes parents sont passés devant le marché central de Hanovre quand ils ont vu un étal composé d'une table avec quelques livres dessus. Et il y avait 2 jeunes étrangers qui étaient debout derrière la table. Ils les ont rencontrés et ils ont appris qu'ils étaient des musulmans et qu'ils représentaient la communauté musulmane Ahmadiyya. Mes parents ont posé des questions aux jeunes et ils ont également pris de la documentation. Après avoir lu la littérature, mes parents sont entrés en contact avec ces jeunes et ils les ont rencontrés. Les 3 Ahmadis les ont invités à dîner chez eux. Elle ajoute... C'était au cours du mois du Ramadan et ils les ont invités pour l'iftar et mes parents sont partis à leur rencontre. Ils avaient posé la nourriture à même le sol sur des vieux journaux car il n'y avait pas de place pour s'asseoir. Ils avaient posé des journaux sur le tapis et ils ont servi la nourriture ainsi. Mes parents ont apprécié la nourriture mais ils ont apprécié davantage la simplicité de ces gens et leur hospitalité. La fille du défunt ajoute « Après cette nuit, il se rendait fréquemment chez les uns et les autres. » Après quelques mois d'études et de recherches en 1984, mes parents ont fait la Bayra et ils ont rejoint la communauté musulmane Ahmadiyya. C'était à l'occasion de l'Aïd et le respecté Nasser Seb s'était rendu à Hambourg avec quelques habitants de la région et là-bas, il a eu la chance de prêter le serment d'allégeance. Il avait également eu l'occasion de prononcer un discours lors de la Jalsa Sarana. Sa fille ajoute, « En outre, ma mère avait un attachement particulier à la religion et son intérêt pour la recherche de la vraie religion l'a conduit vers l'Ahmadiyya. Et elle a pu établir une relation vivante avec le Dieu vivant et ses prières ont été exaucées en de nombreuses occasions. Et Allah lui avait aussi montré de nombreux signes. En 1986, dit-elle, ma mère a assisté à la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Elle avait perdu l'usage d'un de ses œils, et lors de la Jalsa Salana, une partie de sa vision s'est rétablie. Elle était incapable de voir avec cet œil, cependant peu à peu elle a commencé à voir. Celui qui a perdu complètement l'usage d'un œil, eh bien, cela n'est rien de moins qu'un miracle lorsque sa vision se rétablit après 11 ans. C'était uniquement le résultat des prières et du fait qu'elle avait assisté à la Jalsa Salana. À Londres, un jour, elle logeait chez une Ahmadi allemande du nom de Khatija. Un jour, dit sa fille, mes parents sont partis de la maison pour faire du tourisme et sont partis un peu loin et ils ont oublié le chemin de retour. À mesure qu'il faisait noir, ils étaient de plus en plus inquiets. Ils se tenaient dans une rue très fréquentée et ils ne savaient pas où ils se trouvaient. Lorsqu'il faisait plus noir et qu'ils ont perdu le chemin, ma mère a dit « Nous devons prier ». Et lorsqu'ils venaient de prier, ils ont vu le gendre de Madame Khatija qui a arrêté sa voiture devant eux et il leur a demandé de s'asseoir à l'intérieur afin de les ramener à la maison. Cet incident sur l'acceptation de la prière a renforcé leur foi.
Alek Munir Zeb, qui est un missionnaire en Allemagne, écrit ceci, que toute la famille de Lutzin avait rejoint l'Ahmadiyya. À l'époque, nous disions que c'était la seule famille Ahmadi allemande. Il était très sincère et il parlait très peu et il était très respectable. Il était aussi à l'avant-garde dans les sacrifices financiers. Il faisait des présentations lors des programmes de tablir. Chaque fois qu'il entendait le nom du Messie premier des salam, il avait des larmes aux yeux. Une fois, lors d'une rencontre de tablir, le défunt a exposé les enseignements de l'islam d'une si belle manière qu'un Allemand âgé de 70 ans est venu me voir, dit le missionnaire. Et il m'a dit que les connaissances qu'il avait acquises sur l'islam ce jour-là étaient inconnues jusqu'alors pour lui. Qu'Allah accorde sa miséricorde et son pardon aux défunts et que ses enfants soient toujours fidèles à l'Ahmadiyya. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Mme Razia Tanvir Sahiba du Canada. Elle était l'épouse de Khalil Ahmad Tanvir, missionnaire et vice-principal de la Jamia Ahmadiyya de Rabwa. Elle est décédée au Canada le 27 janvier dernier à l'âge de 58 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle souffrait d'un cancer. Elle s'était intéressée à la religion depuis son enfance. Et cette passion est restée avec elle jusqu'à sa disparition. Elle a servi pendant 22 ans au bureau de la Lajna Imaïla du Pakistan en différentes capacités. Et elle avait servi aussi pour le mensuel Misbah. Et elle a servi en tant que comptable. Elle n'a cessé de servir à ce titre jusqu'à sa disparition. Elle avait aussi travaillé avec Hazrat Chotepa Sahiba et elle avait beaucoup appris d'elle et elle a eu la chance de recevoir de nombreuses prières de sa part. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Ensuite, je vais diriger les prières funéraires de Mian Mansour Ahmad Ghalib Sahib, fils de Mian Sher Mohamed Sahib de Sargoda. Il est décédé le 7 février dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son frère aîné avait accepté l'Ahmadiyya en 1955. Il accompagnait par la suite son frère aîné à Rabwa et c'est là-bas qu'il a pu embrasser l'Ahmadiyya. Son fils est en Belgique. Il s'appelle Bachir Ahmad. Il déclare que le défunt avait un lien profond avec le califat et il ne déviait pas de l'obéissance due au califat. Il suivait à la lettre les instructions du calife. Je le connaissais personnellement et il était très sincère et il était très loyal et obéissant au califat. Il servait la foi et accordait priorité à la foi sur ses activités mondaines. Il était hospitalier, il était très pieux, il prenait soin des pauvres, il était sociable, il était très gentil et apprécié de tous. Il a pu servir au sein de la Khuddamul Ahmadiyya, au sein de l'Ansarullah et de la Jamaat au niveau du district de Sargoda, et en tant que secrétaire des finances, secrétaire Waqf Jadid et Tahrik Jadid. Il s'est acquitté de ses fonctions d'une excellente manière. L'un de ses petits-fils est un missionnaire. Il s'appelle Safir Ahmad et il travaille au bureau du secrétaire privé. Qu'Allah le Tout-Puissant accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts. Je dirigerai ensuite les prières funéraires de Bushra Hamid Anwar Adani Sahiba, épouse de Hamid Anwar Adan Sahib du Yémen. Elle était la mère de Mohamed Ahmad Anwar Sahib, qui est l'un de nos volontaires de la MTA, et elle était la belle-mère de Munir Ahmad Ode Sahib, qui est le directeur de la production au sein de la MTA. Elle est décédée le 14 février dernier à l'âge de 69 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte était la petite-fille de Hazrat Haji Mohammadin Sahib d'Ilyawali, un compagnon du Messie premier des Salam, et de Hazrat Hussein Bibi Sahiba. La défunte a aussi servi au sein de la MTA. Elle travaillait régulièrement sur le transfert des données pour l'émission Les Kamal Arabes et elle a aussi également servi au sein de la MTA Al-Arabiya. Elle était toujours satisfaite de servir la Jamaat en quelque capacité que ce soit. Elle était très patiente et reconnaissante, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de la respectée Nurusaba Zafar Sahiba, épouse de Mohamed Afzal Sahib, qui est missionnaire de la communauté d'El Red au Kenya.
Elle est décédée le 25 mars à l'âge de 72 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la fille cadette du missionnaire Maulana Muhammad Said Ansari et elle était aussi la sœur cadette du missionnaire Nassim Bajwa. Son mari Muhammad Afzal écrit que par la grâce d'Allah, elle accomplissait régulièrement ses cinq prières quotidiennes ainsi que la prière de Tahajjud. Elle récitait quotidiennement le Saint-Coran. Elle avait une grande conviction dans les prières, elle passait son temps à prier et elle enjoignait souvent ses enfants d'en faire de même. Elle suivait régulièrement les sermons du calife et pour éduquer ses enfants, elle rappelait les différents points du calife. Elle relatait des récits qui ravivent la foi à ses enfants, qu'elle tirait des hadiths de l'histoire et des livres de la communauté. Et elle encourageait toujours ses enfants à servir la foi et de rester toujours attachés au califat. Par la grâce d'Allah, la défunte était membre du système d'Al-Wasiya. Elle était moussia, elle était régulière dans ses cotisations. Et elle participait dans tous les appels aux dons. Elle était douée d'un grand sens de l'hospitalité. Le mari de la défunte ajoute, « Nous avons eu une vie commune de 21 ans et elle était très compréhensive et digne d'éloge. Leur relation était fort louable. » La première épouse de M. Zafar est tombée en martyr aux îles Fidji. Elle était décédée lors d'un accident avec ses quatre enfants, trois filles et un fils. Zafar Saheb s'était marié une deuxième fois. La défunte s'est occupée, telle une mère, des deux premières filles de son mari. Et ses filles en ont fait témoignage. Elles ont relaté qu'elles ne s'étaient jamais rendues compte qu'elles n'étaient pas leur mère biologique. Elles les ont toujours bien éduquées et elle les a aidées à faire leurs études. Le mari de la défunte ajoute, « Elle a toujours fait de son mieux pour elle et elle se comportait aussi de manière très noble à l'égard de la famille de mon épouse défunte. » La fille de Zafar Saab écrit que, « Lorsqu'elle est arrivée dans notre vie, elle était telle une lueur, un soutien, et telle une mère très gentille. Elle nous a donné beaucoup d'amour, et jamais nous avons ressenti le manque de notre mère biologique. La défunte avait aussi une fille, mais elle n'a pas fait de différence entre sa fille biologique et les filles de son mari. C'était une femme désintéressée et altruiste. Elle encourageait les autres à rester attachés au califat, à avoir une foi ferme en Dieu, et d'appliquer les enseignements de l'islam et de respecter les liens de relation, qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard de la défunte. Je vais diriger aussi la prière funéraire de Sultan Ali Rehan, le père de Mohamed Ahmad Naim Saib, qui est un missionnaire et qui sert au sein du bureau arabophone central au Royaume-Uni. Il est décédé le 26 mars dernier à l'âge de 83 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mohamed Ahmad Naim Saab écrit que mon oncle paternel avait fait la Bayra en 1958 après avoir fait des recherches. Il avait ensuite transmis le message de l'Ahmadiyya à mon père et l'a invité à participer à la Jalsa Salana de Rabwa. Par la grâce d'Allah, après avoir lu un ou deux livres, mon père a également fait la Bayra. Après la Bayra, les deux frères ont fait face à une vive opposition et on a même tenté de les tuer, mais Allah les a protégés. Les mollahs venaient dans le village pour provoquer les habitants, disant que vous n'arrivez même pas à tuer deux personnes. En dépit de cela, Allah les a protégés, mais ils ont toujours maintenu de bonnes relations avec leurs proches non-Ahmadis et les villageois, et ce jusqu'à la fin. Malgré leur inimitié, ils faisaient montre d'un comportement noble à leur égard. Le défunt avait deux fils et six filles. Qu'Allah accorde son pardon au défunt. Mohamed Ahmad Naib n'a pas pu participer aux funérailles de son père. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Molvi Rulam Kadir, qui était un missionnaire et qui était originaire de Kalaban, de Rajouri, de la région du Jammu et du Cachemire. Il est décédé le 26 mars à l'âge de 56 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'Ahmadiyya a été introduit dans la famille du défunt Molvi Rulam Kadir par l'intermédiaire de son grand-père, Bahadur Ali. 13 membres de sa famille
sont en train de servir la communauté par la grâce d'Allah. En tant que missionnaire, le défunt a pu servir pendant 34 ans et 6 mois. Là où il a été affecté, il a rempli ses responsabilités avec beaucoup d'efforts et il a fait preuve d'un grand dévouement jusqu'à la fin. Il avait une bonne maîtrise des sujets concernant le tablir et il faisait toujours preuve de persévérance face aux soucis et à l'opposition. Il était un missionnaire très patient, reconnaissant. Il laisse derrière lui une épouse, 3 fils et 2 filles. Un de ses fils, Bashiruddin Qadir, étudie à la dernière année de la Jamia Ahmadiyya de Qadian. Qu'Allah lui accorde son pardon. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Madame Mahmouda Begum, épouse de Mohamed Sadiq Arif, darwish de Qadian. Elle est décédée le 1er avril dernier à l'âge de 85 ans des suites d'une crise cardiaque. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte était la petite-fille de Hazrat Qazi Ashraf Ali, compagnon du Messie premier d'Islam, originaire d'Alipur Khera, du district Manipur, de la région d'Uttar Pradesh, et elle était la fille de feu Qazi Shahad Baksh. Elle avait épousé feu Mohamed Arif Sadiq Darwish. Et durant cette période de Darwish, la défunte est restée aux côtés de son mari et a fait preuve d'une grande patience et elle était très reconnaissante. Même en période de famine, elle a toujours démontré une patience exemplaire et elle n'a jamais montré à qui que ce soit qu'elle traversait une période difficile. Elle accomplissait régulièrement ses prières et même lorsqu'elle était malade et proche de la mort, elle était soucieuse de ses prières. Elle avait un grand respect pour la récitation du Saint-Coran et elle était régulière dans ses cotisations. Elle avait une relation très solide avec le califat et encourageait aussi ses enfants à nourrir pareille relation. La défunte était Moussia. Elle laisse derrière elle 3 fils et 2 filles. Qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard de la défunte. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Khalid Saadullah, originaire d'Égypte. Il est décédé quelque temps de cela, à l'âge de 60 ans, inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. Il était le premier Ahmadi de sa famille. Il était très sincère, régulier dans ses prières et ses cotisations. Il était respectueux de la Nizam et Jamaat. Il était très jovial, hospitalier et sociable. Il était très doux et il parlait très peu. Les propos du calife avaient rang de parole ultime pour lui. Il suivait régulièrement la MTA, en particulier le sermon du vendredi, qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Mohamed Mounir, originaire de Darul Fazal de Rabwa. Il est décédé le 1er avril à l'âge de 73 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait fait la Bayra en 1972 sur les mains du troisième calife. Le reste de sa famille n'avait pas rejoint la Jamaat. Il a été torturé et on l'avait contraint à abandonner l'Ahmadiyya. En 2003, pour le convaincre d'abandonner l'Ahmadiyya, les membres de sa famille lui avaient même offert de l'argent à ses enfants afin qu'il n'ait pas besoin de travailler, mais il était fermement attaché à l'Ahmadiyya. Sa fille, Qamar Munir Sahiba, est l'épouse d'un de nos collaborateurs qui a dédié sa vie pour la communauté qui est ici à Islamabad. Un de ses fils est Tahir Wakas. Il a dédié sa vie, qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard du défunt. Il était quelqu'un de très pieux, de très sincère, il était toujours très souriant. Il ne se mettait jamais en colère et il offrait régulièrement ses 5 prières quotidiennes. Il était régulier dans ses cotisations. L'un de ses proches se nomme Sayyidur Rahman. Il écrit que mon père l'avait formé à son travail car ses proches dont Ahmadi l'avait rejeté. Et il avait rejoint mon père, dont le magasin était proche. Mon père l'avait formé dans son magasin et il résidait chez lui. Et il se rendait régulièrement à la mosquée pour prier. Et il était toujours au premier rang de la mosquée. Il avait pris tellement goût à la prédication que souvent avec son épouse, il se rendait dans le village voisin de Rabwa pour transmettre le message de l'Ahmadiyya. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à l'égard du défunt. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Nazir Ahmad, qui est enseignant et qui était originaire de Darul Barakat de Rabwa. Il est décédé le 4 avril dernier à l'âge de 80 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le premier Ahmadi de sa famille était Mia Omardine, fils de Mia Karamdine de Data Zedka,
de Sialkot. Il a reçu la direction à l'âge de 15 ans. Il a fait la Bayra en 1914 ou 15 lors de la Jalsa Salana sur les mains du deuxième calife. Il a été guidé à travers un rêve. Masroor Nazir résidait à Sargodha et là-bas, il a été boycotté par les autres enseignants de l'école. Dans cet établissement, son fils Nasir Ahmad, âgé de 9 ans, a été blessé d'un coup de couteau par un autre élève. Le défunt Nasir a fait preuve d'une grande patience. Par la suite, son fils a eu la vie sauve, mais il est décédé des suites d'une fièvre. Lorsque le défunt descendait le corps de son fils dans sa tombe, il a fait preuve d'une grande patience et il disait « Mon fils, je suis fier que tu pars en portant sur toi la marque de la véracité de la Jamaat. » Tant qu'il enseignait de ce village, on n'avait pas besoin de mollim ou de missionnaire dans ce village, il remplissait lui-même cette fonction. Il a ensuite été affecté tout près de Rabwa et il avait donc déménagé à Rabwa, où il a eu l'occasion de servir la communauté. Il a enseigné le Saint-Coran à d'innombrables garçons et filles, et il avait appris les règles de la récitation du Saint-Coran par Qari Ashik, et par la suite, il dispensait des cours de récitation du Saint-Coran dans son quartier. Il faisait en sorte qu'il n'y ait aucun garçon ou fille qui ait un brevet des collèges, mais qui ne sache pas lire le Saint-Coran. S'il y avait un enfant qui ne savait pas lire le Saint-Coran, il se rendait chez lui pour lui enseigner la récitation du Saint-Coran. Et il offrait la prière de Tahajjud depuis son jeune âge. En raison de la pandémie du coronavirus, lorsqu'il y a eu des restrictions à Rabwa, eh bien, il ne pouvait plus partir à la mosquée parce qu'on avait interdit les mosquées à ceux qui avaient plus de 60 ans. Et il accomplissait ses prières du vendredi et ses prières chez lui à la maison. Il avait fait un rêve suite à quoi il avait la certitude qu'il allait décéder cette année. Et il en fut ainsi. Il avait 3 fils et 1 fille. Ses 3 fils ont dédié leur vie. Un de ses fils, Aziz Saheb, est en train de servir ici à Islamabad. Un autre de ses fils se nomme Nassim Ahmad. Il est missionnaire à Rabwa. Et son 3e fils, Sayyid Ahmad Adil, est missionnaire au Nigeria. Et il n'a pas pu se rendre aux funérailles. Qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard du défunt. Et qu'Allah accorde patience et persévérance aux proches de toutes ces personnes et qu'il leur permette de perpétuer leurs bonnes œuvres. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ